Salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve sur F1 2014 pour la suite et fin de ma carrière suivie. Avant-dernier Grand Prix, hein, le Grand Prix du Brésil, et donc qualifications qui vont se dérouler sous la pluie, du moins pour Q1, puisque vous le voyez, donc si on regarde dans le détail, Q1 100% de chance de pluie, Q2 68% et Q3 qui devrait se dérouler sur le sec, une course qui s'annonce sur le sèche, le sec aussi. Et donc petite particularité, hein, comme vous le savez, j'utilise le Sim Raceway comme volant, couplé à mon G27. Et donc il faut que je passe en configuration G27 si je veux avoir le volant qui soit bien efficace, puisque sinon la direction ne répond pas de la même manière, hein, puisque c'est les accéléromètres du Sim Raceway qui prennent en charge la direction sur le volant. Et c'est du coup... C'est du coup moins sensible et difficilement conduisible. Donc là, il y a une petite reconfiguration à faire à chaque fois. Mais rien de bien méchant. Voilà, ça suffit, j'ai pas besoin de plus. Si, un petit peu sur le Ford Fastback, je voulais le monter à 60 pour avoir un petit peu plus de poids dans le volant. Et donc, allons-y. Donc la séance qui est sous la pluie, on me fait partir avec les intermédiaires, je vais aller faire un tour de piste, sans conviction, sachant qu'il pleut, je sais pas trop ce que ça va donner. Alors pour ceux qui ont acheté le Sim Raceway, hein, et qui veulent avoir les LED qui s'allument sur F1 2013 ou F1 2014, il y a une petite application qui existe, qui est fournie par Fanatec, qui s'appelle Fanaled, et cette application permet de configurer à la fois les volants Fanatec et les volants autres comme le G27 et le Sim Raceway pour allumer les diodes en fonction du régime moteur. Donc moi elles sont pas bien synchronisées par rapport à ce qu'on voit sur l'image en bas sur le volant, mais au moins ça a le mérite de s'éclairer et ça rend la sensation encore plus immersive. Donc là pour l'instant je suis dans un premier tour de repérage, les intermédiaires ont l'air d'être suffisants. Bon, je pousse pas la voiture à fond encore pour l'instant. Alors le Sim Raceway, hein, qui rend du coup la conduite sur jeu de F1 vachement plus intéressante, parce qu'on sent plus la voiture. Par contre, il y a un défaut que je trouve à ce volant, c'est le bruit des palettes au volant. Je les trouve excessivement bruyantes. Bon voilà, les tours sur le circuit d'Interlagos qui sont très très courts. Et donc on va passer à un tour de qualif un peu plus concentré. Allez, je vous laisse écouter le moteur et le bruit du volant. Meilleur temps provisoire pour l'instant.
Voilà, j'ai amélioré de près d'une seconde mon temps, ce qui me permet d'être troisième pour l'instant. Juste derrière Kiat et Vergne. Et méfiance. Les ténors sont pas encore sortis. Et les chronos risquent d'être sensiblement meilleurs. Il faut que je fasse aussi attention parce que je suis en limite de carburant. Et on va sagement rentrer au stand puisqu'on arrive sur la réserve d'essence et donc j'ai pas envie de finir le tour en poussant. Et donc on va sagement ramener la voiture au stand. Alors sachant qu'aux essais libres, j'ai fini la séance avec le meilleur chrono. En 1.17 300 et quelques, j'étais à 2 dixièmes de Hamilton. Il y avait un R&D hein, qui était de faire 5 tours sous un certain chrono qui me permettait d'avoir des améliorations aérodynamiques. Donc ça a été validé aussi. Et donc voilà, j'ai encore ce phénomène. Hein, on me dit que je dois réparer la voiture quand je rentre dans la voiture dans les stands. Donc c'est assez étrange. On va regarder les pneus dans quel état ils sont, 93%. Et on est pour l'instant 9ème, il reste 7 minutes 30 dans la séance. J'ai peur que les chronos s'améliorent si la pluie commence à se calmer un peu. Donc on va retourner rapidement en piste. Attention à la réaccélération sur le vibreur avec les pneus mouillés. Un peu d'hors-piste là ici. Pour l'instant, c'est un tour qui n'améliore pas. J'ai complètement loupé ma relance. Donc à mon avis les chronos seront nettement moins bons. Mais bon. J'ai envie de dire c'est pas très grave parce que les chronos j'ai l'impression qu'ils vont pas s'améliorer. Non là, allez. Puis de toute façon mon tour là je l'ai complètement saboté. On va rentrer sagement au stand
Et on va aller poser la voiture et attendre que la séance se termine avant d'abîmer quelque chose. Déjà là qu'on voit le panneau Santander qui avait rien demandé et qui vient de prendre une cartouche. Pour l'instant, c'est un 9e temps qui tient, donc on va pas s'affoler outre mesure. Je pense qu'on va pouvoir sagement passer à Q2 sans trop de soucis. Bon, en tout cas, je suis ravi de vous retrouver après ces vacances. Hein, pendant plus de 2 semaines, 3 semaines, hein, j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas joué au jeu de F1. Pour les vidéos en tout cas, j'ai passé beaucoup de temps en piste pour faire les réglages du volant, etc. Donc ça a été aussi du boulot, parce que l'arrivée de ce petit jouet là, le Simracing SRW S1, ça demandait pas mal de réglages et d'adaptations, hein, pour arriver à faire fonctionner tout cet ensemble dans les jeux. Et comme je vous l'avais indiqué dans ma vidéo pour la FAQ, pseudo FAQ on va dire, sur F1 2015 ça ne marche pas du tout, donc j'espère qu'on pourra un de ces jours s'en servir, parce que là c'est assez inquiétant. Voilà, Q1 c'est terminé, les éliminés sont Esteban Gutiérrez, Nico Hülkenberg, Jules Bianchi et Kevin Magnussen, hein, McLaren au tapis, Max Chilton et Marcus Ericsson. Fernando Alonso a failli être piégé lui aussi, hein, il est quand même à 14e place. Ça aurait pu être dramatique pour la Scuderia de voir son leader tomber dès Q1. En tout cas, nous, on va passer à Q2, et Q2 qui commence sous la pluie, et qui devrait voir sa piste s'assécher, enfin du moins être de moins en moins humide à mesure de la séance, puisque 68% de chance de pluie, donc il devrait s'arrêter de pleuvoir pendant la séance. Ça reste à prouver. En tout cas, c'est l'air de s'être bien calmé quand même par rapport à Q1. Allez, on va aller tout de suite marquer un chrono et voir comment la piste se comporte. Pour l'instant, je suis le premier à lancer le chrono. Alors on voit qu'il pleut un peu plus dans le premier secteur déjà. Un circuit du Brésil là, qui est très vallonné, très court, qui a pas mal de virages assez techniques en épingle. Cette première chicane en descente, témoin de nombreux accidents au fil des années. Dans les 6 premières zones de DRS, la deuxième est sur la ligne de départ arrivée, dans la montée qui y amène.
Les leaders qui ont commencé à marquer le pas en mettant des 1.19. On va essayer d'aller améliorer le chrono. Ce sera 1.20.732 pour moi. Ils annoncent l'arrêt de la pluie dans une dizaine de minutes. Donc je vais vite ramener la voiture au stand et me tenir prêt. Bien que la piste ne devrait pas s'assécher non plus. Elle ne devrait pas s'assécher dans un clin d'œil, donc on ne devrait pas être trop inquiété. C'est un circuit qui est très court, mais qu'est-ce qu'il est vallonné, hein. Ça monte, ça descend sans arrêt. Allez, on rentre au stand. Pour l'instant, 8e temps. Il reste encore du temps, hein, dans la séance, donc on va se tenir prêt à ressortir. On voit que chez Force India, ça rentre aussi. Encore des réparations sur la voiture, hein. C'est vraiment je sais pas ce que de quoi ça vient, hein, ce bug, alors que j'ai rien touché, hein, Alors pour l'instant il reste 5 minutes dans la séance et la pluie semble s'être arrêtée. On va quand même jeter un œil au chrono. Sachant que si la pluie s'arrête, les chronos risquent de s'améliorer. Derrière, on a Perez qui est à 1/10 de nous et Bottas qui est à 2 secondes, lui, quasiment 1 seconde 3, hein, donc on a un petit peu de marge. J'ai pas le meilleur temps dans le premier secteur, mais j'ai le temps similaire à Daniel Ricciardo. C'est dans le deuxième secteur où je perds pas mal de temps. Alors accélérer time, c'est bouton 5, sauf que le bouton 5, je sais pas où est-ce qu'il est. Elle est bonne. Donc du coup, je vais même pas pouvoir accélérer le temps. Ça, c'est ennuyeux, ça. Je l'ai pas configuré, alors du coup, il va rester la fin de la séance comme ça. Pour l'instant, ça a l'air de se tenir au niveau des chronos. On a Rosberg là qui prend le meilleur chrono dans le deuxième secteur. Les deux Mercedes, une fois de plus, hein, qui sont dans un mouchoir de poche au devant de la scène. Et je viens de perdre une place. Je pense que je vais ressortir en piste. Voyons voir mes pneus intermédiaires. On va prendre des pneus neufs. Et on va vite retourner en piste avant qu'il ce soit dramatique. Et je ressors derrière Bottas. Qui est donc quatrième. Hein, qui est donc la personne qui m'a fait descendre une place.
Allez, faut tout donner dans ce tour. Allez, il reste 30 secondes dans le tour. J'ai amélioré le deuxième secteur, pas le premier. Et je récupère la 8e place. Allez, on lâche rien, on sait jamais. Et je me suis loupé au freinage de ce virage là. Attention à Pérez derrière. Enfin, pas dans les rétros, hein, mais dans le chrono, parce que derrière c'est mon coéquipier bien sûr. Et là j'ai complètement foiré mon deuxième secteur, hein, ça s'explique directement avec une seconde deux de retard. Pérez, où est-il? Est-il en piste? Et qui sont les pilotes qui sont derrière? Donc c'est bon, la séance est terminée. Le rideau est levé et je permets à deux Ferrari donc de finir dans Q3, hein, puisque les deux Mercedes sont devant, suivis de mon coéquipier, et puis Valtteri Bottas, Sébastien Vettel, Felipe Massa, Ricciardo, Button, je suis 9e. Et Sergio Pérez, 10e. Parmi les éliminés, on retrouve Jean-Éric Vergne, Daniel Kiat, Adrien Sutil, Pastor Maldonado, Romain Grosjean et Camus Kobayashi. Allez, on passe à Q3. Q3 qui devrait se dérouler sur le sec. Et donc activation des DRS. Et donc on va partir avec les pneus les plus tendres pour cette séance, qui seront les pneus à flanc blanc. Et on va tout de suite aller en piste pour marquer un chrono. Avec des conditions sèches, ça devrait être quand même un peu plus sympa. Sur la gauche, la sortie des stands.
un petit peu loupé mon freinage ici. Allez, on prend la dernière montée avant la ligne de départ arrivée. Et ça sera un premier chrono. Activation du DRS. C'est à 1:16.909. Ce qui est mieux que mon chrono que j'ai fait pendant les essais libres. On va voir si ça suffit. Et non, ça suffit pas puisque Hamilton et Rosberg viennent de se faufiler devant. Ainsi que mon coéquipier. Je rentre direct au stand et avec le bug des réparations, j'espère que j'aurai le temps de ressortir avec des pneus neufs, ce qui n'est pas évident. Je sais pas de quoi ça vient, mais c'est vraiment... Ça fait partie du lot de bugs qui va avec la série de Codemaster, malheureusement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'étais pas en amélioration sur ce tour, donc... pas de regret de ne pas avoir franchi la ligne. Et donc 3 minutes 23 de réparation, il reste 4 minutes 30, ça me devrait me laisser le temps aller de ressortir en piste et de tenter de faire un nouveau chrono. Allez, c'est reparti. On va tâcher de mettre un meilleur chrono. J'ai profité un petit peu de l'aspiration de Bottas qui est rentré au stand pour m'élancer. Et c'est le troisième temps. Ah, je me loupe ici. C'est le troisième temps, juste derrière les deux Mercedes. J'espère que mon coéquipier va améliorer hein, pour qu'on puisse aligner les deux Ferrari sur la deuxième ligne, puisque je pense que de toute façon les Mercedes sont sur une autre planète. Mais pour l'instant, mon coéquipier est dans les stands.
reste 30 secondes dans la séance. On va rentrer au stand. Et puis on va attendre que la séance se termine. De toute façon, je vais avoir le bug de la réparation qui va faire que, de toute façon, cette séance va se terminer là. Et puis, ça sera la fin des qualifications. Les techniciens qui me ramènent la voiture dans le stand. Et la séance qui se termine avec donc une troisième place, hein, Lewis Hamilton qui partira donc en pole sur cette course devant son coéquipier Nico Rosberg. Je partirai troisième derrière les deux Mercedes. Valtteri Bottas partira quatrième côté de son coéquipier Felipe Massa, Sébastien Vettel sixième, Ricardo septième, Fernando Alonso hein, qui je pensais voir un peu plus haut sur la grille partira à la huitième place, suivi de Jenson Button et Sergio Perez. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à dimanche pour la course. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous.